Bonjour, bonjour vous autres qui venez ici-bas en ce dimanche 19, je sais plus quel mois on est, me voir souffrir. Bon, on va pas faire du stalker aujourd'hui. On va aller souffrir dans d'autres horizons, des horizons à base de saucisses, des horizons allemands. Donc, si le jeu fonctionne, je pense qu'il sera plus fiable que Dead Air, que Stalkers des 2 dernières semaines. Sauf s'il veut pas se lancer, bien sûr. Merci. Merci, jeu. S'il te plaît. S'il te plaît. Me laisse pas comme un con comme ça. Me laisse pas comme un con comme ça, s'il te plaît. Bon, vous allez bien? Ah, c'est bon. Ça gueule un peu. On est bien. Donc, Return to Castle Wolfenstein. Un jeu. Un jeu. Un jeu. J'ai oublié de faire l'annonce sur le Discord, ce que je vais m'empresser de faire tout de suite. Mais un jeu que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire étant petit. Salut, Zouzou! Tu vas bien, Zouzou? Attendez, juste faire l'annonce parce que j'ai totalement oublié de le faire. Je suis un abruti. Donc ouais, comme je disais, c'est un jeu que j'ai jamais eu l'occasion de finir étant petit, pour la simple et bonne raison qu'il était dur, qu'il était affreusement dur. C'est bon, je suis prêt. Je vous remets le jeu. Voilà. Donc, j'y ai rejoué récemment, d'ailleurs, chez Russian, quand je savais pas quoi foutre. Ça m'a pas mal fisté, ça m'a ravivé certains souvenirs douloureux, mais je pense qu'on va le faire. Je pense qu'on va faire. Oui, c'est celui-là, Nick Nick. C'est peut-être le plus connu, je pense. C'est le second. On va y aller, en espérant que j'ai pas niqué. On va le mettre en normal, enfin, même si dans ce genre de jeu, le normal c'est assez relatif. Je veux dire que à partir de. Le normal, en fait, ça serait plutôt celui-ci. Ne me blessez pas. Enfin, on va jouer en ça. Ça devrait le faire. Enfin, ça devrait le faire en tout cas pour les 3 premières levées. Vous allez voir à quel point vous pensiez que Far Cry était injuste. Alors jouez à celui-ci. Bon, le scénario, comme toute personne physiquement, normalement constituée ayant joué à ce jeu, on s'en branle. Tu pensais que c'était lequel, Nick Nick, un plus récent? Les bons vieux souvenirs, ouais, faut le dire très vite. On s'en fout, on est là pour buter des Allemands. Donc, attendez, attendez, j'ai pas réglé ma souris. Voilà. Bon, je me rappelle plus trop des touches. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est quand même l'un des premiers jeux au monde à avoir incorporé une touche pour se pencher. Mais quand on se penche, on ne peut plus tirer. Ah, et effectivement, mon clic droit permet de sauter. Alors, c'est une feature. C'est une feature. Voilà. Attendez, attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Oh, ma touche pour prendre des screens ne marche pas! Ah! Comment je vais faire pour les aperçus? Bon, on avance. Donc, on se retrouve dans un château, il y a des Allemands, il y a des trucs occultes, on va foutre la merde, tout simplement. Je suis Allemand, je. Il y en a qui parlent allemand ici? Moi, c'est pas mon cas personnellement. Ah ouais! Un pied dans le cul, c'est bon! Ok. Oh merde! Merde, 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 merde! Merde, merde! Je suis désolé! Je suis désolé, mec! Bon, on va essayer. Bon, j'espère que vous allez bien parce qu'on est là pour souffrir, comme je vous le disais. Ça va être dur, ça va être exigeant, ça va être punitif, ça va être tout ce que j'aime dans les jeux vidéo. Ça va être la merde! Donc comme je disais juste avant de venir, j'étais en train de jouer tranquillement sur mon canapé. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit putain, faut que j'aille souffrir avec eux. Et c'est limite de l'infiltration au début en fait. Ça marche pas tout le temps, ça marche pas tout le temps, ça marche pas tout le temps. Et donc, ce qui m'a toujours plu tant petit, et je trouvais ça super impressionnant en fait, parce que j'avais plutôt l'habitude en fait des jeux avec un monde totalement statique, mais c'est là, on peut détruire des trucs. On peut détruire des trucs avec des coups de pied. Regardez, c'est génial! Je peux même détruire le décor! Enfin, c'est. Dans les faits, ça sert à rien. Mais quand t'as 10 ans, et que tu. Bah déjà, quand t'as 10 ans, faut pas que tu joues à ça, parce que ça peut être dangereux. Mais quand t'as 10 ans et que t'arrives à détruire du décor, mais t'es tout fou, t'as pas idée. Tiens. Moi je casse tout, moi. C'est quoi ça? Du texte. Je ne veux pas lire. Je me refuse de lire tout ce que je trouverai dans ce jeu.
Parce que nous ne sommes pas là pour ça. Enfin, j'essaierai de dire un petit peu de contexte, parce que je sais plus ce qu'on fout dans ce putain de château, mais... Surtout que dans le titre, Return, je n'ai jamais joué au premier Wolfenstein. Il y en a ici qui l'ont fait. Oh, le headshot! Parce que le premier Wolfenstein, j'y ai jamais joué, en fait. Et je... Je m'en souviens pas. Ah si, c'est celui dans lequel tu peux tuer Hitler. Tu y as joué, toi, Xuxu? Tu l'as fini? Tu t'en souviens aussi? Oh là là, les headshots... Non mais le mec il a pas eu le temps de la lutte. Bon, l'alarme a été déclenchée, ça veut dire que tous les ennemis du monde vont sortir. Je sais pas si contrairement à... Comment ça... Oh, attendez, j'ai entendu une porte se fermer. Oh, attendez, comment on fait? Je sais pas, par rapport à Far Cry, s'il est vraiment plus difficile... T'attaquer, je passe. Oh, j'ai trouvé un truc. Donc ouais, je sais pas si Spear of Destiny, ça me dit rien du tout. Je connais pas beaucoup la licence en fait, Zuxu, à part celui-ci, que j'ai eu la chance de trouver étant petit, donc je le connais pour la même occasion. Je connais surtout les trois premiers levels, qui sont humainement... C'est la merde. C'est le Wolfenstein 2. Mais celui auquel je joue, c'est le... Putain, mais lâchez-moi! Laissez-moi finir une phrase! Oh, regardez, c'est moche. C'est très très moche, là. Là, ça a été coupé à la truelle. C'est celui-ci, en soi, le second Wolfenstein. C'est le second qui est sorti. Oh, putain, il essaie de faire rien du tout. En fait, j'ai fait une petite liste de très vieux jeux qu'on pourrait se faire... donc il y aurait celui-ci, Return to Castle of Wolfenstein. Il y aurait aussi Viet Cong, si ça vous intéresse. Le premier Viet Cong, pas le 2 avec les putes, juste le premier. Parce que le 2 il passera jamais sur Twitch avec le passage des putes. Et j'en avais un autre. Ok. Bon, bah... Putain, mais tu vas rentrer. J'arrive pas à rentrer. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de jeux un petit peu dans la même veine que Far Cry qu'on pourrait se faire par la suite, bah n'hésitez pas, parce que je vais quand même sacrément vite tourner en rond. Visiblement, il y a des ennemis là... Oh putain, il y a des Allemands. Mais du coup, pour ceux qui connaissent le jeu comme Tokzuglu, ce qui m'avait vraiment plu à l'époque quand j'avais joué à celui-ci, c'est qu'à partir du 2-3ème level, alors que le début est très terre-à-terre, bah il commence à avoir des petites touches de surnaturel, et c'est ce qui m'a toujours plu en fait. Il y a un mec ? Mais je vais pas me faire mal en descendant là. S'il te plaît. Non, bon bah c'était bien calculé. Je crois qu'il y a un syndrome de fermage de porte automatique ici, c'est assez affolant. Oh, de la physique. Je crois que ces trucs peuvent nous tuer d'ailleurs. Si je fais ça là. Ouais, ça peut nous buter. Je crois que pour le moment j'ai sacrément de cul avec les headshots. Ah bah ça m'a fait mal. Attends. Ça m'a fait mal parce que j'ai marché sur l'épée ou quoi? Bon, on va passer par là. Hein. Je sais tellement pas où il faut aller. Je me la joue tellement safe. Oh, c'est tellement vieux, c'est tellement old school en fait, que ce soit la construction des décors, les trucs à péter pour... T'as pris un éclat quand c'est tombé, putain la merde. Ouais c'est... Oh. Oh. Quoi? C'est tellement old school, pas les pièges mais les trucs cachés et tout. Enfin ça fait plaisir. Franchement, c'est le genre de jeu que Crucian aimerait en fait. Oh, j'ai trouvé des items, y'a quoi là-dedans? Ah mais c'est comme ça qu'on peut le voir, ok, on peut voir quelque chose derrière. Regardez, y'a tonton. Faut me dire d'ailleurs si le son du jeu est pas trop fort, parce que j'ai fait ça un petit peu à la truelle. Bon,
je me concentre. Sinon, ça va, vous, en ce dimanche, je peux le manger, ça? Oh, je peux manger! Je peux manger de la saucisse! Trop bien! Attends, il y a quelque chose derrière? Il n'y a rien derrière. J'ai fait ça pour rien. Bonjour Yadar. T'as mis ton chrono, Yadar? J'adore tout démolir. Franchement, je sais pas d'où ça vient, cette fascination de la destruction, mais... Un bon dimanche pour décuver. Qu'est-ce que t'as encore fait hier, Zugzu? Quoique c'est le meilleur jour de la semaine pour décuver le dimanche. Y a rien d'ouvert. Oh, regardez comment ça donne faim. Regardez comment ça donne faim. Une bonne tranche de pain avec du sauciflard. Manque plus qu'un verre de vin, on est bon. Oh merde, attendez. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout, je suis désolé. Alors on y va. Y a des armes là? De la bière et du vin. Ils savent aimer les bonnes choses de la vie, les Allemands. Y a pas à dire, c'était pas des mauvais bougres. Vous croyez que j'ai un bonus à détruire tous les fagnons que je croise? Ouais. Oh, ah bah c'est fini. Ouais. Quand je vous disais que c'était old school, c'est très segmenté comme jeu. Par contre, je me souviens que le second level, c'est une purge de labyrinthe. Ça va être succulent avec des feux over. Mange trop. Putain, ils ont déclenché l'alarme. L'alarme. Tiens, de la bouffe. Je suis pas sûr que déclencher l'alarme serve à quelque chose en fait. Bah, est-ce que les ennemis vont vraiment. Oh. Oh. Mais il y en a partout, c'est pas possible. Ah, ça a dû déverrouiller la planque d'armes. Non? Ça déverrouille pas la planque d'armes. Qu'est-ce que ça déverrouille, ça? Je vais quand même pas donner un coup de pied dedans. Pas comme ça que ça marche une plante... Une plante. Une porte. Bon, bah, ça a dû me déverrouiller quelque chose plus loin. Je sais pas, on va y aller. Mais non, erreur! Bidule vie. J'ai ouvert avec mes mains. Oh là. Bah après, j'ai effectivement ouvert avec mes pieds. Mais en premier lieu, j'ai quand même ouvert avec mes mains. Je suis pas très malin, mais pas à ce point quand même. Bon, on va avancer. De toute façon, l'alarme commence à me briser les testicules. Donc on va se faire un plaisir de tirer dessus. Oh putain, ils sont pleins. Attendez, je suis concentré. Ok, cette arme ne tue pas en un coup. C'est bon à savoir. Voilà. On est bon. S'il vous plaît, l'alarme. Non, ça marche pas. En même temps, je m'attendais pas à grand chose. Oh, tiens. Ça me stresse, l'alarme. C'est pas possible. Donc ouais, comme je disais, je sais que ce second level, c'est une purge de labyrinthe. On en parlait justement avec Crucian il y a quelques mois. Visiblement, ça l'a marqué tout comme moi. On va se perdre. Mais on va se perdre dans la gaieté et la bonne humeur. De toute façon, on a fini Far Cry, franchement, entre nous. Ça devrait pas nous poser trop de soucis. J'aime pas qu'on ait des mecs comme ça, j'ai pas quand même... Où est-ce qu'il est? Regardez-moi ce connard là. Oh, le headshot! J'ai même récupéré son flingue. Y'a pas un clic droit? Non, en fait, le clic droit permet de sauter dans ce jeu. Pas avec celui-ci. Je crois que c'est pas avec cette arme que tu peux viser. Y'a pas beaucoup d'armes. C'est, encore une fois, c'est tellement old school. Y'a pas beaucoup d'armes qui ont un clic droit pour faire quelque chose en fait, pour viser ou. Y'a pas de tir secondaire ni rien quoi. Et ça fait son charme. Moi j'aime bien. C'est facile à prendre en main. Ok, là je viens de faire un putain de tour.
C'est le genre de jeu que j'aime bien en ce moment, c'est que c'est facile à prendre en main, c'est pas prise de tête et c'est immédiatement fun en fait. Enfin, évidemment, le passage de la Jeep dans Far Cry était pas très fun, même si c'était facile à prendre en main. Je veux dire, pour ceux qui étaient là il y a 3-4 semaines. Ah. Non, dis-moi pas qu'on est déjà coincé. On a fait 10 mètres. J'ai pas le droit d'être coincé au bout de 10 mètres de... Oh là putain, j'ai glissé. Et vous savez, c'est que là, on va quand même super vite. On va super vite. Il y a une touche pour aller encore plus vite. C'est ignoble. Ah non, mais je suis con, je suis allé par là. Bon, j'ai pas un sens de l'orientation à toute épreuve, comme vous allez très rapidement le voir. Oh, regardez, je peux manger progressivement le saucisson, c'est génial. Meilleur jeu du monde. Meilleur jeu du monde. Ah, c'est ça l'alarme. Je crois que j'aurais pu utiliser ma main pour l'éteindre. Vous savez à quoi ça... Laisse-moi parler. Donc voilà, j'ai été inattentif pendant 3 secondes, j'ai perdu... La moitié de mon vie. On va aller chercher le sifflard. Vous savez à quoi ça me fait penser jusqu'à présent? Bon, ça fait mal à dire, mais ça me fait penser à Iwo Jima. Et pas n'importe lequel, ça me fait penser à Iwo Jima 2. Je sais pas si je vous l'ai montré. Si, un soir, on s'était fait un stream d'Iwo Jima 2, qui était... pitoyable. Et je crois que le mot c'est pitoyable. Et excessivement dur. Non, je veux tout détruire. Je veux tout détruire. Regardez. Ça parle de paranormal, division SS. Ça va être trop bien. Bah en fait... Est-ce qu'il y en a vraiment un 2? Je sais plus. Enfin, je regarde. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une suite officielle en fait. C'est ça. Imaginez, une suite amateur d'Iwo Jima. Non, c'est pas Iwo Jima son nom, c'est World War II Elite Force Iwo Jima. Un jour, je vous le ferai gagner dans un concours, ce jeu. On va tous le signer, on va dessiner des grosses tubs dessus, et on vous fera gagner ma version d'Iwo Jima en concours. Et ça, ça va ameuter des gens, franchement. Moi, personnellement, je dessinerai une énorme bite. Je sais pas dessiner. J'ai ouvert quelque chose, visiblement, mais je sais pas où. Je sais pas où. On va faire le tour. Pourquoi il y a des gens là? Pourquoi il y a des gens désormais ici? Non mais c'est vrai que ça pourrait être sympa d'organiser un truc pour vous faire gagner. Parce que moi des jeux de merde qu'on a streamé par le passé, j'ai le transpalette des... le transpalette. J'ai Fenwick Simulator, le transpalette des étoiles. Je l'ai derrière moi là. C'est le genre de truc. Je suis perdu, je suis perdu. Oh, attendez. Je peux passer par là. Je suis pas passé. Tiens Hitler, prends ça. Suis-je passé par là? J'ai le bon sentiment d'être déjà passé par là, mais j'en suis pas sûr. Des gens qui parlent, des gens qui parlent. Donc franchement, si ça vous fait envie de vous faire gagner des vieux jeux, bah dites-le sur le Discord, sur le channel de l'Alliance plutôt, si vous voulez. Enfin, faites-le nous savoir, je pense qu'on a moyen de vous faire rêver. Et de vous faire... pleurer aussi. Ouais, j'aime pas ce genre de pièce là. Je suis sûr qu'il y a trop. Il doit y avoir 6 tonnes de trucs cachés derrière les murs. Ah, il y avait que ça. Ça ne sert à rien. J'adore les pièces qui ne servent à rien. C'est pas par là. Oh merde, mais... Oh la te pue. Non, pas l'alarme. Putain, le chleu, c'est rapide sur l'alarme. Alors, pour envahir le RSS, ça met 6 mois, mais pour déclencher une alarme... Putain, mais ils sont nombreux. Bon, ça va niveau vie pour l'instant, on est... Niveau vie, on est pas trop mal. Bon, j'ai les sphincters totalement serrés, mais on n'est pas trop mal. Limite, je m'autorise à faire des bons. Oh putain, c'est la merde, c'est la merde! Vous
Vous comprenez ce qu'ils disent les allemandphobes là? Allemandphones plutôt. Putain mais casse-toi toi. Et bon, bon, on peut se reprendre du saucisson. On va récupérer les documents. Parce qu'à mon avis c'est peut-être utile pour la suite du scénario. On va bouffer, voilà. Et d'ailleurs il y a un truc qui moi dans les jeux vidéo m'a... que j'ai toujours trouvé très satisfaisant en fait, c'est ça. Regardez, regardez. Ah, d'avoir le sentiment, un certain sentiment... J'entends pas bien. Qu'est-ce que t'entends pas? Ah, t'entends pas bien les Allemands. Le sentiment de complétion en fait, de fermer une porte derrière soi et de se dire qu'on est en sécurité. Je sais pas, moi ça me, c'est ma folie des portes blindées. Ça me fait énormément plaisir. Bon, pour l'instant, on est très très bon. J'ai pas encore trouvé de grenade. Il gueule à propos du sauciflard. Ah oui, bah c'est probablement ça. C'est, je veux dire, je viens ici, je pique leur victuaille. Moi, je ferais la gueule personnellement. Je sais même pas où on est, j'ai pas fait gaffe. Je sais même pas dans quel pays on est. Non, mais ta gueule! Mais. Bon, ça marche pas comme ça. Bon, attendez. Ok, donc toi, tu me regardais. Ici, c'est la merde, y'a trop de portes. C'est la merde. Ce jeu, je vais le renommer comme ça. C'est la merde, y'a trop de portes. Oh, c'est ouvert. Oh, attendez. Là, on est bien, là, on est bien. Parce qu'on pourrait aller on pourrait monter par là. On va aller voir ce qu'il y a. Ah, ah. Je vais aller voir la porte rouge. Parce que la porte rouge, elle me titille, là, avec son... Avec celle. C'est très sombre, vous inquiétez pas, hein. Ah bah voilà, je me disais bien, il est pas... Vous avez trouvé un secret. Ils avaient quand même pas fait une pièce pour rien. Oh, regardez, c'est quoi? C'est un casque à cornes. Russian, il y a des vikings. Russian, viens voir. C'est tout? Faut croire que c'est tout, hein. Ça serait tellement alpha, n'empêche qu'il gueule à cause du saucisson. Faut continuer par là. Je peux refermer la porte? Yeah, je peux refermer la porte. J'adore fermer des portes. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. On va essayer de ramasser le maximum de documents pour pas se retrouver bloqué, mais... Pour l'instant, franchement, je m'impressionne. Parce que je suis pas encore mort une seule fois. Quelque part dans le Reich. Bah, tu sais, à cette époque, quelque part dans le Reich... Oh oui, trop bien! Non, trop nul! Regardez, c'est trop bien, il y a des éléments destructibles! Moi, ça me rendait fou, ça, à l'époque. Vous avez pas idée. D'où il sort, putain, j'arrive pas à prendre. J'arrive pas à prendre. Putain, ils sont deux. Ça va pas tarder à douer, mais la mort t'attend. Bah, je pense que déjà, dès que t'arrives dans le village allemand, le niveau de difficulté il prend un petit bond. Et dès que t'arrives dans les catacombes, là, le niveau de difficulté il est stratosphérique. Vraiment, c'est. Par contre, je pensais avoir des grenades. Alors, tais-toi, portable. Tais-toi. Ouais. D'ailleurs, c'est Russian qui me parle. Dites-lui de venir sur le stream. Ça parle d'allemand et de saucisse. Faut que je regarde comment lancer des grenades, parce que c'est la méthode de ne pas en avoir, en fait. C'est pas pro, ça, oui, mais... Je suis pas payé, moi. Hein. Enfin... Faut pas le dire. Attends. Il y a bien un truc caché dans cette pièce. Ils ont pas fait une pièce pour rien, à part pour mettre un sauciflard. C'est bizarre ça. Ah oui, attendez, il y avait une porte là-bas aussi. Elle était... Ça menait à rien ça. Je pense que c'est par là. Ou pas. Passer, j'aime pas ce level. Je pense qu'il faut passer sur le pont là. Faut que je trouve un moyen de remonter là-dessus. Le problème c'est que... Je ne suis pas Spider-Man. Malgré les apparences. Ouais, attendez. J'ai loupé un truc énorme, c'est pas possible.
non. Tiens, je casse la table. Non, il n'y a rien. Non, en fait, il n'y a vraiment rien. C'est... C'est peut-être juste pour tuer les gens d'en haut, en fait, la mitrailleuse, et après tu te barres et tu te casses. Hein. Allez, surtout que l'infiltration, toi, tu sais très bien que c'est pas... que tout le gameplay a pas été tourné autour de ça, quoi. Enfin, le jeu ne t'offre pas des outils pour t'infiltrer. À mon avis, il faut que je fasse demi-tour. On va... Attendez. Voilà. À mon avis, il faut qu'on passe par là. D'autant plus que j'ai fermé des portes de l'autre côté, donc je pourrais plus passer à mon avis. Je pense qu'il faut... Voilà, attends. On va trouver. Là, c'est du level design de haute voltige. On va trouver. Bon, là, j'ai joué au con, effectivement. Ouais, mais c'est pas là. Regardez, on est trop fort. Bon, on vise pas très bien, mais on est fort. Mais ouais, dès... Je sais que... Je sais pas si on ira jusque-là, mais dès qu'il y aura de l'infiltration, on va tellement chier des pilules. Et pas celles qu'on aime. Tu peux mourir, s'il te plaît? J'ai dit, est-ce que tu peux... Bah, merci. Oh! Oh, putain! Bon, faut que j'arrête de rigoler, parce que là, j'ai vraiment plus de vie. D'ailleurs, je viens de voir un truc rigolo, c'est que quand on est là-dessus, on peut glisser. C'est génial. Vas-y, en voyant ça, j'ai envie de ressortir les vieux Call of. Bah, ouais, tout à l'heure, je sais pas si t'étais là, Yadar, j'ai eu du mal. Mais on réfléchissait à des vieux jeux que je pourrais faire. Regardez, c'est effectivement là, on est sur le pont. Des vieux jeux, et moi je pensais à Viet Cong, par exemple. Le premier Viet Cong, pas celui avec les putes. Et j'en ai pas d'autres en tête, je crois. J'en ai pas d'autres en tête. Call of 2, bah Call of... Ouais, j'aime beaucoup Call of 2. J'irai voir s'il y a des modes zombies sur Call of 2 encore. Ah bah c'est la fin. C'est qui le meilleur? Non, faut se barrer. Franchement, je m'impressionne. Je dis pas ça parce qu'on n'est pas encore mort, mais... Ah oui, putain. Je suis super bon en idée. Bah, je regarde dans mon dos et des jeux de merde, j'en ai plein d'autres... Ça vous dit de voir du Vera Jones? Qui est quand même l'un des trucs les plus détestables auxquels j'ai eu l'occasion de jouer dans ma vie. Et j'en ai fait des trucs de merde. Ouais, franchement, Vera Jones, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était le jeu avec la... Ça explose pas comme ça. Tu voulais pas faire Far Cry 2? Oula, j'aimais pas trop le bruit de chaîne. C'est pas le bruit de chaîne que j'aime bien. C'est pas celui qui rentre dans les 5 heures. Pourquoi pas Far Cry 2? C'est vrai que bah c'est vrai que c'est une très bonne idée ça, Xuxu. Parce que je sais que c'est un jeu qui est quand même assez exigeant, qui est fun. Pourquoi pas? Et surtout que je connais pas très bien. Attendez, il y a des gens qui rentrent dans le cul. Non, il y a personne. Mais franchement, bah peut-être qu'on le finira pas après le 2 si effectivement on se rend compte que c'est chiant, enfin on... Moi ce que je recherche surtout c'est un peu de challenge quoi en fait, c'est vraiment des... Ils ont pas eu le temps de... Tiens, je vais casser ça au cas où. C'est des jeux qui vont mettre à rude épreuve notre capacité à survivre. Où est-ce qu'il est, putain, où est-ce qu'il est? Il est où le bouton? Ah non, Yadar, c'est plus le 3 qui... Ah non, merde, j'ai confondu avec Crysis. C'est vrai, merde. J'ai pas connu la genèse de... La genèse de Far Cry, je la connais assez mal, en fait. Je sais pas vraiment ce qu'il y a derrière et... je crois que là, il y a le téléphérique qui remonte et qu'il faut se dépêcher pour sniper les connards à l'intérieur. Attendez. Comment ça marche? Il y a un bouton? Non, il n'y a pas de bouton, mais il y a des gens! Faut vite se dépêcher! Voilà! Vous avez vu tout ce que je viens de prendre dans la gueule?
un petit peu de bouffe. Franchement, ça, j'ai failli décéder avec le connard. Attendez, y a rien ici. On va essayer de pas se faire mal. Mais il m'a arrosé le mec. L'application, quand on dépasse la coupure, on fait. C'est un peu ridicule. Comment on descend? Faut appuyer là. Faut appuyer là. Bon, là, évidemment, il y aura tout un contingent de bouffeurs de saucisses qui vont m'attendre en bas. Évidemment. Merde. Il en reste un. Il en reste plus qu'un. Je crois qu'il est en dessous. Voilà. Ni vu, ni connu. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut réactiver le truc? Faut casser des radios? Je veux bien, moi casser les radios c'est mon plus grand kiff. Elle m'a fait du dégât la pute. La pute elle m'a fait du dégât. Je suis pas encore mort, Je suis indestructible mec. Je suis indestructible. Attendez, on peut se barrer là. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À mon avis, il faut que j'aille là-dedans, mais faut... Oh putain, pas les échelles. Pas les échelles. Salut le pseudo. Parce qu'on parlait tout à l'heure de. Enfin, il y a 10 minutes. Que le jeu n'était pas fait pour de l'infiltration. Il n'est également pas fait pour descendre. Il n'est pas fait pour descendre des échelles. J'ai eu peur. Ça fait combien de décennies que t'attends là, toi? Oh là là. Bon. Généralement, les montées, c'est moins dangereux. J'ai bien dit généralement. Parce que là... Voilà. On va essayer de pas trop jouer au con. Parce que je ne suis pas encore mort et ça me satisfait. C'est bon. Eh, c'est qui le super player? Sérieusement, les mecs? Bon, il y aura encore des connards qui vont essayer de me sniper. Bonjour pseudo, ça va bien et toi? En ce dimanche après-midi. Y'a des mecs, y'a des mecs. J'ai plus de balles. Il est mort le mec à l'intérieur? Oh putain, il s'est pris un headshot. Donc ouais, pour le moment sur la liste y'a quoi? Y'a Far Cry 2, y'a Viet Cong. Et y'a rien d'autre. Y'a... Ah si, y'a Black Mesa. J'ai hésité à vous faire Black Mesa cet après-midi. Pas en one shoot, mais juste comme ça pour tester le bousin. Parce que c'est un jeu que j'apprécie fortement et que j'ai plein de choses à dire sur Half-Life. Parce que j'adore Half-Life. C'est fermé ça? Effectivement, c'est fermé. J'entends de l'allemand. J'entends. Je sais pas où il est, rentre dedans. Je sais pas du tout où je vais. D'où il me tirait le mec? Je l'ai même pas vu. Il est où ce connard? Ah, il est là! Tiens, prends ça. À mon avis, si on est pas trop con, faut passer par là. Voilà. Eh, je suis pas trop con. Hein. Salut Stalker 552. Uber Soldier, ce qui est indestructible. Bon, on est plus ou moins indestructible. Je sais pas si on joue le même personnage que dans les derniers Wolfenstein. Est-ce que c'est le même? Parce que si c'est le même, on était déjà indestructible. On est plus ou moins un... Oh merde. Ah, comment on appelle déjà le Marines dans... Bah le... Dans Doom. C'est pas le Doom Guy, ils ont pas un nom déjà? Je sais plus. Je sais plus comment ils s'appellent. Donc voilà, si on joue toujours le même mec. Nanana, envahir la France, envahir Pologne, je m'en fous. Ah, j'ai cru comprendre que la situation n'était plus sous contrôle. Wonder, je sais pas s'il y a eu la négation. Oh, il y a un Thompson. J'aime bien les Thompson. C'est une arme que j'aime bien. Attendez. Donc ouais, si franchement, si c'est le même mec que dans les autres Wolfenstein, mais abandonné les mecs. Abandonné.
Oubliez tout espoir de survie. Où est-ce qu'il est? Hein? Oh, c'est notre pote. C'est nul. Moi, je voudrais récupérer son arme. Je crois qu'on peut tuer nos potes dans ce jeu. Faut faire très très gaffe. Parce que 2-3 balles perdues dans le cul, en fait, bah, vous tuez vos alliés et vous bloquez la mission. Je vous ai dit que c'était un vieux jeu. Ah, tu ne me plantes pas, s'il te plaît. Tu me fais pas une seule cœur. Bon, on va dire que le temps de téléchargement est très très long. On va dire que le temps de téléchargement est 6 fois plus long que la normale. Bah, qu'est-ce que tu me fais, jeu? Ah non, il n'y a aucun problème, Stalker. Stalker, ça s'est très bien passé. Bah, qu'est-ce que tu me fais? Eh oh, mon coco. Ah, wolfenstein.sp.exe a cessé de fonctionner. Oh non, tu me fais pas chier. Si je suis parti sur toi, c'est parce que Stalker se plantait. Attendez. Attendez, attendez. On va pas se laisser avoir par l'adversité. Je crois que sur mes streams, je vais mettre des compteurs de plantage. Parce que je... En même temps, quelle idée j'ai de jouer avec des vieux jeux de merde. Sérieusement, pourquoi je joue avec des vieux jeux de merde? Pourquoi tu m'as mis un emote de Spider qui bad? Qui... Bon, allez, relance. J'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Ta gueule! Alors, l'autre games. Ah, visiblement, il n'y a pas de sauvegarde. Il est quelle heure? 16h36. Oula, c'est ça la plus vieille? Le tram? Oh, bah, ça va pas être loin. C'est old school et ça, c'est bon. C'est old school, et c'est faillible. Bon. On va recommencer. De toute façon, maintenant, on est super player. Regardez, je fais des trucs de super player. Oh, no scope! Merde. Je vais mourir comme un con. Eh, eh, je suis pas encore mort. Je suis pas encore mort. Putain, derrière moi, derrière moi. Attendez, j'ai modifié, voilà, la sensibilité de ma souris. Bon, on va vomir à cause d'Adonis. En plus, je vous fais les détails, quoi. Je fais les bruitages, je veux dire. Bon, on y va. On speed. On fait la strat 2. La strat speedrun. Bon, je casse ça pour par pur plaisir, en fait. Je n'ai aucun intérêt à casser ce truc, mais je le fais quand même parce que j'aime bien. Ouvre la porte, s'il te plaît. Voilà, merci. Merde, ils arrivent, ils arrivent! Ils arrivent! Ça, c'est bon. Ici, il n'y a rien à récupérer. Ah, si, il y a de la bouffe. On va prendre de la bouffe. J'espère qu'il va pas replanter le jeu. Ça me ferait beaucoup de peine à mon petit cœur. Et surtout que si le jeu ne fonctionne pas, bah moi, j'ai rien en réserve pour vous. Ah, si, j'ai peut-être Black Mesa. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Tu peux descendre? Voilà, merci. Mais ouais, la semaine prochaine, si j'y pense, et si je retrouve le CD, je vous ferai du Viet Cong. Il y en a ici qui connaissent Viet Cong, le premier, et qui l'ont fait. Parce qu'après, j'aurai une seconde question. Est-ce qu'il y a des gens ici, des gens qui ont su terminer Viet Cong? Parce que c'est extrêmement frustrant comme jeu. Bon, allez, arrête-toi. Je vais niquer le mec qui s'est réfugié en bas. Voilà, merci. Merci. Bah, en fait, c'est un jeu que j'ai avec une ambiance que je trouve parfaitement folle, qui est super intéressant à faire. Mais il y a un truc qui m'a toujours frustré en fait dans le jeu, c'est vraiment l'IA des ennemis, des Viet Cong, des Viet. En fait, les Viet, le gros du jeu se passe dans des jungles. Et le problème de la jungle, c'est que bah, tu vois pas grand chose. Et l'IA a la fâcheuse tendance à te voir à travers les fougères. Et ça, c'est détestable. C'est vraiment détestable. Et je trouve que ça ruine le jeu, en fait. Parce que c'est un jeu que j'adore. Enfin, le jeu a une ambiance que j'adore. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ce défaut, quoi.
C'est du gâchis, voilà. C'est vraiment, c'est énormément de gâchis, je trouve. Attendez, on va se dépêcher. Voilà. Bah, je suis toujours en mode speedrun. Hein. Je vais pas tomber, je vais pas tomber. Et puis le jeu, il était scénarisé de fou, de ouf quoi. C'est quand tu démarres, t'arrives dans un camp militaire, tu vas devoir faire limite tes classes, tu vas devoir parler aux gens, tu vas défendre le camp. Enfin, c'est vraiment le jeu, il est vraisemblable et c'est vachement appréciable. Voilà. Après, vraiment, c'est... En tout cas, pour moi, tout ce qui a gâché le jeu, c'est vraiment cette IA qui te repère à travers les arbres, quoi. D'ailleurs, Vietcong, c'est un jeu que je faisais en multi à l'époque. Je sais pas si vous l'avez eu étant petit, mais il y avait un mode multijoueur à Vietcong qui était, bah, qui était comme tous les jeux multijoueurs des FPS un peu basiques comme ça, qui était nul, qui était pitoyable. Bah justement, t'en parles, Hoffman, on pourra aller voir la semaine prochaine. Si je... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai explosé. Ok. Où est-ce qu'il est? J'en dis pas du mal, Hoffman, j'ai juste qu'il était dispensable. Et que ça faisait partie de cette flopée de mode multi pour des jeux solo qui se justifiaient pas vraiment en fait. Parce que toute la force du Vietcong, bah c'est son solo en fait, c'est pas son multi. C'est comme le multi de Killzone 1 sur PS2, mais il était infâme. Le mot c'est cancérigène. Et pourtant j'ai joué des heures à cette merde. Parce qu'on n'avait pas autre chose en fait, surtout. Mais... Et même récemment on y a joué avec Momo. On s'est fait du multi sur PS2 sur Killzone avec l'écran splitté. Le truc ça va à 20 FPS et surtout tu pouvais mettre des bots. Même sur PS2 tu pouvais jouer avec des bots au multi. C'était génial, c'était impressionnant. Attendez. En fait, j'ai plus que 36 points de vie à cause de la putain d'explosion de merde! Attendez, on va prendre une sauvegarde pour éviter les plantages. Parce que j'ai. Je sens que le jeu. Y a pas une touche pour les plantages? Une touche pour les plantages. Génial. 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 Allez, génial. Allez, soyez dans le disque. Quick save! F5. C'est bon! À Killzone, je collais un point blanc sur la TV, je crois qu'on l'a tous fait ça, de marabouter le jeu. Pas forcément sur Killzone, mais de marabouter un écran pour pouvoir mieux viser avec. Je pense qu'on l'a tous fait. D'ailleurs, le premier Killzone, il est que sur Xbox, que sur PS1. Putain, j'ai du mal. Le premier Killzone n'est que sur PS2. On pourrait peut-être l'émuler d'ailleurs pour passer une petite après-midi dessus. On pourrait l'émuler. Ça pourrait être sympa. C'est pas par là. C'est pas par là. Bon, est-ce que ça va planter, messieurs, dames? Messieurs, dames, est-ce que ça va planter? Donc je disais, ouais, j'ai ma petite idée sur les potentiels plantages. Ah oh, putain, ça a planté. Attends, tu me fais chier. Tu me casses les couilles, Wolfenstein. Alors que j'étais même pas sûr qu'on puisse casser une couille avant qu'on commence. En fait, il y a beaucoup de plantages avec le jeu au niveau des résolutions. J'ai mis une trop grosse résolution et on va la modifier. D'ailleurs, vous allez voir que dans les options, ma résolution n'est même pas connue par le système. Regardez, on la voit pas. On va la mettre en format de merde. Voilà. On va redémarrer. Je vais essayer de mettre ça un peu mieux. C'est du 4 tiers dégueulasse. Totalement immonde. D'ailleurs, Adwin, qu'est-ce qu'il y a, Yadar? On va l'au-delà partie et on va voir ce qui se passe. Et si ça plante, bah si ça plante... Si ça plante, je sais pas.
Si ça plante, on sait pas ce qu'on fait. Il est quelle heure? Attendez. J'ai l'impression d'avoir... C'est juste un passage à 16, enfin forcé. Oui, c'est un point DB d'ailleurs. Tu peux facilement tricher sur la résolution. C'est ce que j'ai fait pour avoir, pour avoir le 1080p. Enfin, après, t'as ton moteur graphique d'ailleurs du jeu qui est pas forcément apte. Oula. Parce que t'as beau jouer sur la résolution, d'ailleurs, t'as un moteur graphique qui doit la rendre, la résolution. Et il peut peut-être pas forcément le faire. Bon, là, tu plantes pas. Hein. Tu ne plantes pas, mon coco. Tu ne plantes pas. Voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Attendez, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. J'ai 2 minutes pour trouver une solution. Attendez. Ah non, j'ai même pas accès en fait. Ah si, système. Ah, j'ai pas accès à la résolution. Qu'est-ce que j'ai en mieux? Ah non, mais ça fait planter le jeu. Le problème, c'est que la résolution 1600x1200, ça fait planter le moteur graphique. Et j'ai même pas essayé la 2000 mes couilles. Bon, ça vous dit de jouer comme ça? Ça vous dérange pas? Ouais, enfin... Oh, un Thompson! On va jouer comme ça, les gars. Et les autres. Parce que j'ai pas le choix, parce que sinon le jeu crash. Si on continue la semaine prochaine, je pense que j'essaierai de marabouter le jeu pour que ça, pour refaire mes petites tambouilles là. Je l'ai pas de... C'est un ennemi ça. Je l'ai pas sous la main en fait. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. On va jouer comme ça, ça fait partie... Ça a son charme, ça a son charme. Helga's team has an excavation site at the graveyard at the end of town. The entrance to the crypt is there. Good luck. Et d'ailleurs, je vais vous laisser 30 secondes entre vous, le temps d'aller me chercher un coca. Parce que j'ai là une soif pas possible. Vas-y Yadar, anime, je reviens. Bon. Attendez, j'ai... Voilà. Bon, on va juste essayer de faire ça, voir si... Attends, je triche un petit peu pour que l'écran soit plus grand. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout voir, on va tricher. On va tricher, voilà, là c'est parfait. Et c'est parfait. Bon, il y a un petit bout de l'écran que vous ne voyez plus, mais c'est déjà mieux que rien. Bon, ça va vous? Désormais, nous avons un putain de Thompson et ma... Putain, mais il m'a remis mes options à zéro, cet enfoiré! Voilà. Nous sommes dans le village des nazis. Autrement appelé Führerland. Et donc, dans Führerland. On va pas s'infiltrer. On va pas s'infiltrer parce que ça va être une horreur, mais... Oh, qu'il est mort. Oh, c'est Rika. Attendez, non, c'est pas Rika. Non, c'est pas Erika. Franchement, s'il y a Erika qui passe, je chante. Je chante, je vous le dis. Si Erika passe dans une radio, je chante avec vous. C'est pas Erika, c'est pas... Il y en a ici qui connaissent pas Erika. Hmm,
super player. Bon, je suis désolé pour la... Oh! Je suis désolé! Je suis désolé! Ça... Ça m'a surpris, je lui ai mis un pain! Oh, c'était une Allemande, c'est bon. Elle coopère avec l'ennemi, enfin, je veux dire, elle participe à l'effort de guerre et mérite une petite tarte dans le bide. Je suis désolé. Hein. Et tu l'as voulu de ce chancelier. Hein. Bon, on y retourne. D'ailleurs, les gars, vous connaissez quoi comme ce que je viens d'avoir, une PS4? Qu'est-ce que vous me conseillez comme jeu? Parce que je suis en train de faire un petit catalogue, pas piqué des hannetons, et je sais pas trop quoi me prendre encore. Parce que je me rends compte que, étant un joueur PC depuis des années, je me focalise essentiellement sur Steam, et bah, quand t'arrives dans le rayon des jeux PS4, moi je me sens un peu perdu. Bah, Yada, devine ce que je suis en train de faire comme jeu depuis une semaine. Horizon Zero Dawn. Et ça me scotche le cul, c'est génialissime. Il m'a mis une tarte. Il m'a totalement mis. Ah, c'est plus que je kiffe, c'est vraiment, ça me passionne. Rien que l'univers un petit peu teinté de mystère avec ses machines. Avec ses machines en forme de dinosaures dans les rues. Enfin, moi, ça me. En plus, artistiquement parlant, il est magnifique le jeu. C'est vraiment, des fois, je m'arrête juste pour regarder le décor. Ah, il va y avoir un 2. Me dis rien, je suis encore au début. Mais ouais, franchement, j'y passe des heures et ça faisait très très longtemps que j'avais pas trouvé un jeu comme ça qui arrive à me captiver au point que je me lève tôt un samedi matin pour y jouer. Voilà, je vous le dis, messieurs, dames, je suis sous le charme. Moi, j'espère juste une chose, me dis rien, Yadar. Attends. C'est que jusqu'à présent, oula, durant les premières heures de jeu, t'as pas mal... Putain, il est monté, le mec. Tu me gonfles, toi. Tu vas t'éteindre. Ah, putain. Je disais, durant les premières heures de jeu, dans Horizon Zero Dawn, tu as pas mal de... T'as le background qui est pas mal exploité à travers des documents que tu retrouves de l'ancienne civilisation, etc. Et j'espère juste que ça va continuer. J'aimerais bien, et j'espère que à la fin du jeu, on aura pas mal d'infos sur ce qui s'est passé avant et que le background sera vraiment fouillé. Et j'ai le DLC. C'est Russian qui me l'a prêté, le jeu, en fait. Et il a le DLC avec. Attendez, je me suis fait défoncer la gueule, moi. Allez, prends ça. Ah, il veut pas. Ouais. Bah, j'espère juste que j'en trouverai d'autres, des documents, et que ça sera pas que ça. Et puis ça m'a fait de la peine au départ quand t'apprends l'origine de la gamine, d'où est-ce qu'elle vient, enfin d'où est-ce qu'elle est née. Bah toi, avec ton regard extérieur, tu sais très bien qu'il n'y a rien de surnaturel, quoi. Tu sais très bien qu'elle a été laissée là et franchement, que d'avoir ce parallèle comme ça avec ce peuple totalement doctriné, bah, moi ça, je trouve ça vachement plaisant à jouer. Il y a un mec à l'étage, enfin on va essayer de niquer. La neige est sacrément bien gérée en plus dans le jeu. J'avance, on va se le faire dans le dos. Non mais que ce soit le premier jeu d'un studio, je m'en branle, moi je veux un truc bien, c'est pas la question. Allez, je m'infiltre. Oh putain, la taille du pieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé un secret, les gars. Ah, je crois qu'il n'y a rien de plus gratifiant de tirer sur des mecs avec une mitrailleuse. Je veux dire dans un jeu vidéo. Uniquement dans un jeu vidéo. Ah, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous lire parce que c'était la merde. C'est vrai qu'il y a God of War, Uncharted, Spider-Man. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quoi? Bah, Red Dead Redemption 2, du coup, je pourrai le faire. Ça, c'est bien. Je pensais jamais le faire de ma vie. Qu'est-ce que j'avais vu qui me plaisait?
C'est vrai que j'ai acheté The Last Guardian, qui m'intéresse beaucoup. J'ai racheté Okami HD. Parce que Okami, c'est sympa, mais Okami sur Wii, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, c'est... C'est pas plaisant pour ton poignet, on va dire. C'est laborieux à jouer. Bon, le village, on va revenir un petit peu... On va revenir un petit peu in-game. Le village, c'est le monde des puputes. Il va y avoir constamment des gens cachés dans des coins qui vont vous foutre une balle dans le derche. Vous allez voir, c'est frustrant. C'est pour ça qu'on va essayer de faire gaffe. Je suis pas encore mort. Et la fois où le jeu s'est arrêté parce que j'ai tué une civile, pour moi, c'est pas une mort. Je considère pas ça comme une mort. C'est le jeu qui est con. Essentiellement. Salut Funé, ça va bien Funé? C'est quand qu'on se revoit Funé? Ça fait longtemps, ça fait au moins 3 semaines. Je m'infiltre. Ça c'est l'hydra ça. Faut que je fasse gaffe. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, ça ne servait à rien. Normalement à l'IRL, oh on se verra pas plus tôt, ça va être triste. Moi je vais pleurer personnellement. Putain, il me reste... Ah, il me reste un point de vie. Oh mais là, je suis mort. Oh la pute. Je suis quand même resté, attendez. Je suis quand même resté 56 minutes sans mourir. Où ça t'a dit la pute? Bon, on va arrêter de jouer au con. On va défoncer des Allemands. Est-ce que j'aimerais vraiment, avant 18h, j'aimerais vraiment vous montrer le passage des catacombes. Qui est vraiment en fait le début du jeu. Je vais éviter de m'approcher de me foutre un coup de pied, je risquerai de tuer. Allez, good luck, vas-y, casse-toi. Je pense que je vais arrêter d'utiliser... Je vais arrêter d'utiliser mon couteau, parce que... À part être sur lui, là. Voilà, merci. Voilà, merci. Par contre, sur les autres, on va y aller franco. On va y aller comme ça, franco. Ça règle le problème. Pas d'allemand, pas de problème. Et pas de problème, pas d'allemand. Bon, je sais qu'il y en a un qui va arriver du haut, là. Casse-toi, toi. Où ça t'as dit? C'était quoi la question funée? J'ai pas suivi. Oula. Non mais quand tu veux, c'est vraiment... C'est un jour tu passes sur Nantes. Moi j'y retourne bientôt sur Nantes. On va s'infiltrer, on va récupérer la mitrailleuse lourde et on va se refaire un carnage. Parce que je pense que c'est la meilleure des stratégies pour éviter... Oh putain, Emma, j'avais oublié celui-ci. Bon, faut que je trouve de la bouffe. Il y a de la saucisse. Là c'est bon. D'ailleurs, Yadar, vu que maintenant j'ai une PS4, peut-être que si un jour il y a un remake de Dino Crisis, eh ben je pourrais y jouer. En fait, je l'ai acheté que pour ça dans l'hypothétique remake. Ah putain, il y en a un qui monte dans mon dos. Non, mais de toute façon, il y aura un remake de Dino Crisis, je le financerai si c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, je ferai en sorte que cela arrive. Parce que Dino Crisis, tout simplement. Ah si, regardez, il y a une visée. Ça doit être une des seules armes du monde qui a une visée dans ce jeu. Bon, à partir de maintenant, on stresse. Voilà, c'est par exemple ça, là. Vous avez vu le bâtard, là? Regardez, lui, là.
Putain, je peux pas tirer, c'est chiant. Putain, j'ai plus de balles, J'ai entendu une porte s'ouvrir. Putain, faut tellement que je fasse gaffe. Oh putain. Don't shoot. Je ne suis pas du tout anglais. Ouh, ça sent le secret, ça. Je suis désolé, mais ça sent le secret. Attendez, je... Non, c'est pas un secret. Tu me déçois. Je vais aller voir s'il y a un truc en haut. Je prends des risques. Il y a des munitions, Ça ne sert à rien de venir ici. Bon, allez voir, on va aller voir le résistant. Hein, j'ai quelque chose pour toi. Alors, si c'est pas une sulfateuse, ça m'intéresse pas. Hein. C'est une mitrailleuse avec un silencieux. Elle est pas terrible, je crois. Je crois qu'elle est nulle même. On va essayer ça tout de suite. Et surtout qu'il n'y a pas énormément de munitions, alors très rapidement on l'aura dans le cul et on pourra plus l'utiliser. C'est pas par là. Bon, ça fait une heure, il y a eu 3 plantages, une mort. Je pensais que ça serait plus difficile que ça, je suis un peu déçu quand même. Je veux pas vous le cacher, mais... Après la difficulté stratosphérique de Far Cry, je me dis que je m'attendais à quoi, à plus de résistance. Vous avez compris, plus de résistance avec les Allemands. C'est comme de l'humour. Tamir, vous avez des Allemands dans votre parc allemand? C'est une référence à Jurassic Park. Enfin, pas avec les Allemands, mais... Infiltration mag... Je sais pas pourquoi j'utilise un silencieux alors que tout le monde me tire dessus à balles réelles. Enfin à balles réelles. À balles qui réveille l'intégralité du quartier. Faut tellement faire gaffe avec les petites corniches là. En fait c'est ça qui va te tuer. J'ai du cul quand même. Je tiendrai à signaler... Pourtant, en jouant normal. Hein. Que je pensais pas faire à l'origine. C'est... Je sens de l'allemand. Désolé, je suis un peu concentré, j'ai pas envie de mourir. J'aimerais bien vous montrer les catacombes. Et je sais que ça peut devenir assez ardu rapidement dans ces putains de maisons. Putain, il me tire de loin. Oh. Ouais, c'est vrai, tu vas vers où, Funé? Tu te rapproches d'un pays civilisé? Tu te rapproches de nous? Mais... Merde, j'ai pas pris la bonne arme! Je crois que j'ai oublié de mettre un silencieux! Attendez, ça pue, ça? Enfin, ça pue... Putain de... Je sais pas pourquoi ils nous ont donné un silencieux en fait parce qu'on en a rien à foutre d'être silencieux dans le jeu. En fait, j'ai un désintérêt total à m'infiltrer.
Attends, faut vraiment faire ça? Ah ouais, c'est... Ok. Bon, bah c'était la bonne stratégie de donner des coups de pied sur un mur. Bon, quatrième level, maintenant, ça va commencer à envoyer. En espérant que le jeu ne plante pas encore une fois. Je pensais que c'était Poitiers Land Games. Non mais viens vers nous, tu verras, c'est bien Funé. Il y a plein de copains, il y a plein de copains et il y a plein de bières. Et puis il y a tous les gilets jaunes du monde qui viennent à Nantes une fois par semaine, alors franchement moi je veux dire rien que pour ça. Hein. Bah par rapport à Poitiers c'est plus ou moins loin, j'ai du mal à situer en fait les deux. C'est vrai que ce n'est pas des villes que je connais. Je suis en train de me renseigner. Pendant, regardez la cinématique, moi je renseigne où ça se trouve quand. Ah ouais quand même t'es de la route. Bon c'est en Bretagne mais t'es de la route. Tu vas avoir quoi comme appartement Funé? Tu veux pas te prendre une maison? Et là ça commence à être génial parce que les Allemands ont déterré quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû déterrer. Regardez ça. Et là, ça commence à être cool, c'est qu'il y a des putains de squelettes. Je sais pas si je préfère les squelettes ou les Allemands. Par contre, attendez. Ah putain, c'est caché. C'est cassé. Attendez, il faut juste que je me trouve la touche pour les grenades. Voyez-vous, grenade. Tesla. C'est quoi Tesla? Grenade. Grenade. Attendez, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je suis désolé, mais j'ai juste oublié de faire ça avant de venir. C'est que les grenades. Ah, attendez. C'est de la merde, ces touches. Je vais juste mettre les grenades sur le clic souris, ça sera plus sympa. Grenade, 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 grenade. Voilà. Ah, tu te prends qu'un... Je sais pas si t'es déjà venu chez moi, Funé. Je pense pas. T'étais pas là, Nouvel An. C'est là que la TNT est utile. C'est vrai que, binocle, j'ai souvenir que je mettais de la TNT. Bah, j'ai souvenir que j'avais un explosif pour ouvrir la porte. Bon, les squelettes, j'aime bien les tuer avant de... Parce que les squelettes ont bouffé tout le monde. Et du coup, les squelettes, en plus d'être une entité morte, possèdent un bouclier. Et le bouclier peut renvoyer vos balles. C'est-à-dire que vous devez essayer de le contourner. Si vous l'attaquez frontalement, le squelette peut vous emmerder. Et sacrément vous emmerdez, carrément vous tuez avec vos propres balles, ce qui n'est évidemment pas sympathique. Je remets mon casque et on y va. Donc là nous sommes dans les catacombes. Parce que les nazis, ça leur suffisait pas de conquérir la moitié du monde. Ils se sont dit, tiens, on va réveiller des puissances enfouies. Oh merde, je suis con, désormais je peux plus viser avec mon sniper. Oh putain! J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde et j'ai plus de balles. Ah, je me suis tiré dessus. Attendez, je suis con. Du coup, je la mets tout là. Shoot. Mousse 3. Bon c'est pas grave, on va faire sans. On va faire sans. On va faire sans viser. De toute façon depuis le début du jeu on ne vise pas. Au moins on a des... Oh, putain c'est la merde. C'est une porte ça. Putain elles sont pas comme... Elles sont pas comme ça les portes chez moi hein.
Ah, j'aime bien l'ambiance sonore. Putain, mais il y a des têtes qui volent maintenant! Attendez. J'ai pas confiance. J'ai tellement pas confiance dans mes capacités de saut! Donc toi, c'est grillé, tu vas te réveiller. Ah non. Oh putain, si! À mon avis, faut appuyer là-dessus. Attendez. Faut appuyer là-dessus. Et ensuite, faut faire quoi? On va essayer de ne pas remourir encore une fois. Ah, on a enlevé les pics. C'est bien fou. Oh, c'est la merde. Oh putain. Donc la stratégie avec les squelettes, c'est que vous visez les pieds. Vous leur défoncez les pieds en espérant que ça fasse quelque chose. Et là, c'est la merde. Parce que je sais que tout ce beau monde va se réveiller. Voilà, merci. Ouvre la porte. D'ailleurs, j'ai l'impression que le son est trop fort. En fait, quand le jeu crash, il remet les paramètres par défaut en fait. Donc c'est un peu casse-couille. Bon, j'espère que vous allez bien parce que moi je commence à stresser un petit peu. Parce que très progressivement, moi j'aurai plus de balles. Il va y en avoir de plus en plus, ces connards. Et je sais que ça va se transformer à moitié en labyrinthe au bout d'un moment. Et moi, j'adore les labyrinthes. Voilà ma passion dans la vie. Et ah putain, c'est de là d'où je viens. Qu'est-ce que je disais sur les labyrinthes? Je déteste ça, les labyrinthes. Et on est nulle part là, ouais. Bon, on est nulle part là. Je peux aller par là maintenant? S'il vous plaît. Ah bah non, je suis passé par là tout à l'heure. Je crois qu'il faut que j'aille en face. Je pense que c'est le bon plan, on va aller par là. En tout cas, ça a l'air très accueillant, donc on va... Oh oui, bah c'est par là. Oh putain! Ouais, au moins tout ça, ouais. Bon, y a pas une planque? Parce que ça fait quand même une heure qu'on n'a pas trouvé d'objet sacré ou... Putain, il rebondit mes balles, cet enfoiré! Mais tu vas crever, saleté! Putain, mais t'es déjà mort une fois et l'obligeance de le refaire! Voilà! On est bon. J'espère que c'est pas trop sombre pour vous parce que moi c'est un peu galère. Putain, et en plus, ça c'est. Putain, si ça suffisait pas qu'il y ait des menthes, maintenant il y a des Allemands. Encore? Putain, mais tu sors d'où, toi? Ouais, attendez, il y a plein de trucs à casser, là. Moi, j'adore les trucs à casser. Moi, c'est ma grande passion dans la vie, c'est les trucs à casser. Oh, des grenades! C'est vrai qu'on a énormément de grenades. En plus, j'ai mappé la grenade sur une des seules touches qui m'était vraiment utile. Non, c'est ta gueule! Merci.
Là, il y a encore un truc à casser. Oh, bah oui, c'est à la suite. Donc, on a récupéré le document du fameux docteur Mécouille, là. Et désormais, on peut fuir. Et mais pour fuir ces catacombes, on va devoir... je sais pas. Je suis aussi perdu que vous, les gars. Oh, putain. Tout va bien. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. J'ai pas encore trouvé de bonne stratégie pour les niquer ceux-là en fait. Oh les enfoirés! Ah bah oui effectivement les enfoirés! Putain, mais il y a de plus en plus de bruit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est... Bon, plus de balles. Oh, attendez, il y a des trucs là. Voilà. C'est par là que je viens. J'ai l'impression que c'est par là que je viens. Par contre, je n'ai effectivement plus de balles. Oh, c'est la fin. La tension redescend un petit peu. Nouvel objectif. Je dois naviguer dans les catacombes pour trouver l'entrée de l'église Wolfsburg. Ils se sont lâchés en fait sur le paranormal et moi j'aime bien. C'est comme Far Cry en fait qui était le premier Far Cry en tout cas qui était assez inattendu sur la présence des trigènes. Bah là c'est pareil en fait, c'est que l'apparition du paranormal est vachement inattendue et moi j'aime bien me faire surprendre. Ah non mais vos gueules. Par contre moi j'ai besoin de munitions. Et bien sûr je peux plus viser avec ce truc moi. J'y vais au pif, hein. Ouais, enfin, entre Hitler intéressé par les sciences occultes et l'apparition de squelettes dans un jeu traitant de la Seconde Guerre mondiale, là je me dis qu'il y a un petit pont à franchir. Par contre, j'aimerais bien trouver des balles, mais des 9 mm. Qu'est-ce que tu veux foutre avec du 9 mm? Tiens, ça c'est bien ça. Ça m'intéresse. Ça c'est déjà mieux. J'ai 45 balles. 47. 47 balles. Je vais jamais m'en sortir vivant. Dites à ma mère que je suis son fils. Des munitions, s'il vous plaît. Bon, on va y aller comme ça. Oh putain! J'ai deux points de vie, les gars. J'ai deux points de vie, les gars! Et il y a une grille derrière nous!
croyais qu'il est mort. T'as vu Netovic? T'arrives pile au bon moment. Le moment où on va purement décéder. Ah! Putain de merde! Salut Poléon, je suis perdu avec mes... Attendez. Attendez. Ah, putain, il est là. Mais t'es indestructible, toi! Putain, c'est pas possible! Là, je peux pas plus reculer, en fait. Là, je peux plus reculer, je suis face au mur. Et ce con m'a lâché. Et j'ai très mal lancé ma grenade. Bah voilà. Là, on parle. Enfin, toi, tu parles plus beaucoup, mais... Ça va, Poléon? Nous, c'est la merde. J'ai deux points de vie. J'ai une touche pour viser qui n'est pas bindée. Mais tout va bien. J'ai deux points de vie, putain. Sachez que ce peut... Voilà. Attendez. Il doit y avoir de la vie, il doit y avoir de la vie là-dedans, elles sont pas trop putes. La vie. La vie, la vie. S'il vous plaît, je vais mourir. Y'a pas de vie. Y'a pas de vie. Ah si, c'est bon. Ah, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon maintenant, attendez. C'est par là. Je crois que c'est par... Là, non, attendez, j'ai fait, je suis parti dans le mauvais sens. Je suis effectivement parti dans le mauvais sens. Putain, j'ai eu une chance sur deux, je l'ai pris la mauvaise. Je vais sauver, ce qui peut être un bon plan. Attendez, juste deux secondes, j'enlève ceci. Voilà, merci. On va continuer dans le couloir, là où il y avait toutes les merdes qui ont tué l'intégralité d'un régiment d'allemand. Et on va aller par là. Et là, je sais qu'il y a bientôt un boss dans mes souvenirs. Voilà, par exemple, ça. C'est tout? Oh putain, c'est pas tout. Manquerait plus qu'un connard là, qui lance des flammes qui arriverait. Putain de merde. Bon, ça servit à rien. C'était juste un piège. Attendez, il y a un des squelettes qui a dû créer un passage en sortant en fait. À moins que le bouton ait activé un truc ailleurs, ce qui serait quand même très fort dommageable parce que je ne sais pas où. Je vais donner des petits coups de pied au cas où. Non mais c'est bizarre. Bon, on va faire demi-tour. Hein. À mon avis, ça a ouvert une porte. Je le verrais bien avec l'apparition des monstres habituellement. S'il y a 2-3 monstres qu'on spawn dans un coin, c'est que c'est par là. Où est-ce que ça mène ça? Ah! Ah! Et merde, oh non, 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 c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, j'ai pas beaucoup de vie. Casse-ce. C'est le moment de me faire chier les nazis. Oh putain, pas les squelettes.
Non, pas les squelettes, pas les squelettes. J'aime pas les squelettes. Les squelettes sont casse-couilles. Oh putain, et je peux même pas viser avec ce truc. Il est où? Allez, Romain! Ça fait du bien, ce connard, hein. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas me la renvoyer, celle-ci. La balle, en fait, est trop puissante, ils arrivent pas à me la renvoyer. Et même si je peux pas viser, au moins, je fais pas mal de dégâts. Et juste pas mes autres armes. Donc ça, c'est parfait. Bon, 4, 3 portes. 3 portes. Et un esprit de déduction rendu commun. Que vais-je faire? Oh là là, mais ça pue. Alors, ce que je vais faire, c'est une sauvegarde. Ah! Bah, j'ai loupé le piège. J'ai loupé le piège. Putain, ça m'a fait peur. Bon, dépêche-toi, il faut que j'aille chercher autre truc. On passe en courant. Et on reprend une sauvegarde. J'ai l'impression qu'il y aura 3 pièces. Et avec 3 pièges de merde. Genre ça, là, ça. Oui, j'ai appuyé dessus juste pour rigoler. Parce que ok, donc c'était, ça me fait penser à un piège qui est à la fin de Half-Life. Toi qui l'as fait récemment, Poléon, tu dois t'en souvenir. T'en rappeler plutôt. Et on va faire le troisième. Ça sent le trou. Ça sent le trou. Yop là. Putain, je me suis dit, ah les putes, ils vont pas m'avoir avec leur trou de merde. Bon, en fait, ils m'ont totalement eu. Parce qu'ils ont... Par contre, non, je suis désolé, mais... Mais si je fais des sauvades rapides, c'est pas pour me retaper tout ça. On va y retourner. On va pas se faire avoir deux fois. Merci. Voilà. Ça c'est fait. Hop là. Oula, ça sent la merde. C'est habituellement dans ce genre de situation qu'il y a des milliards de trucs qui spawnent. Qu'est-ce que je disais pas? À part que j'ai bientôt plus de vie. Putain, faut que je me trouve un kit de soins. Le pendentif d'Indiana Jones. C'est totalement ça. On a l'impression d'être dans un Indiana Jones. T'as un mécanisme de merde, t'as des trucs. Oh non! C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Qui? Quoi? Oh là! Là, c'est plus qu'occulte, là. Là, c'est flippant. Ah bah tiens. Bon, ok. Oula. Effectivement, les squelettes n'arrivent pas à envoyer les balles. Enfin, pas celle-là. Et donc, c'est un atout. Par contre, il y a les murs qui commencent à cracher des flammes. Et habituellement, un mur ne crache pas des flammes. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Ça pue, ça. Vous croyez qu'il faut que je parte? Vous croyez qu'il faut que je cours, en fait? Oh, regardez, on dirait un bébé dans Berserk. Non? Oh, la civilisation. De la civilisation. Si en plus il pouvait y avoir des kits de soins civilisés. Oh, de la civilisation. Hé! Oh. Hey, on domine. On va pas se laisser avoir par un jeu de merde. Enfin, un jeu qui a 20 ans. J'en ai vu d'autres, Wolfenstein. J'espère juste qu'on va se retrouver en dehors de la grotte. Parce que déjà, c'est une section de jeu dont je me souviens pas. Donc j'aurai un peu plus de surprises. Et j'espère juste qu'ils vont nous donner du matos, parce que là, c'est un peu la dèche. Enfin, c'est pas qu'un peu la dèche, c'est carrément la merde. Je suis très très con, j'attendais le chargement, mais en fait, il n'y a pas de chargement, faut juste cliquer sur le bouton. Oula! T'es
C'est beau. Well, what's happening? A moment, please, my director. Is it working? Please be patient. We are operating under very... Oh là là, la grosse nazie à droite. Enough of your stalling. Tell me yes or no. Will it work? Mais il n'est pas devin, connasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je savais qu'il y avait des squelettes, mais je savais pas qu'il y avait des putains de géants. Process is beginning. It is only a matter of time now. Excellent. Mm-hmm. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air merdique. Bon, au moins, on ressort des catacombes. Bon, visiblement, les choses mystiques sont en train de s'immiscer dans le monde des vivants, parce qu'on a des putains de géants à l'étage. Oh non, des catacombes. Oula, ils sont pas loin. Ils sont vraiment pas loin parce qu'on les entend parler. Waouh, putain! Ils ont des réflexes de Super Saiyans! Et moi, j'ai pas de vie. C'est ça leur truc là? Ah non, mais ça c'est un. Oula! Oh putain, quelqu'un a ouvert la porte! Ah, c'est la gonzesse! C'est la gonzesse qui techniquement devrait être morte. Et maintenant t'es morte, connasse. Ah mais je peux pas prendre deux screens, c'est nul. Oh putain, regardez-moi cette tête de conne. Oups, je crois que j'ai fait du bruit. C'est vrai qu'à partir de maintenant, je crois qu'il y a l'apparition des ninjas. Un peu les mêmes ninjas qu'on avait vers la fin d'Half-Life, là. Vous savez, les connards en combinaison noire qui vous foutaient des putains de headshots. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les morts se réveillent à travers le monde. J'ai l'impression d'être dans un film de Romero, en fait. J'ai vu des soins, je veux les soins. Il monte là-dessus, putain. Ah là, j'ai des soins. On manquerait plus que quelqu'un. Get ready, il arrive, j'arrive. Ah ouais, et regardez, vous avez vu la technique d'évitement? Vous avez vu la putain de technique d'évitement que j'ai mis en place? Je la vois pas, je sais qu'elle est en... Elle est morte? Quelqu'un peut prendre un screen pour moi? Ah bah si, ça marche! Moi, cool! Oh, cool, on va faire des screens! Pour la semaine prochaine! Du matos, s'il vous plaît, du matos. Bon, maintenant, en plus des démons, on a des gonzesses en latex. Je sais pas ce qui m'effraie le plus entre les deux. Avec qu'une seule de ces deux créatures que tu serais capable de raisonner. Je te dis pas laquelle, en tout cas elle a un bouclier. Ah bah voilà, on est dans le château. Bon, je sais pas ce qui... J'ai pas lu le scénario, alors je sais pas le lien entre les deux, mais... Je sais pas comment on a fait pour s'en trouver ici, mais on y est en tout cas. On va faire une petite sauvegarde. Bon, l'attaque frontale, c'est pas conseillé. Ah, ok. Bon, c'est vrai qu'à partir de maintenant... Putain, il y en avait une à gauche aussi. C'est à partir de maintenant que le jeu va commencer à devenir un peu plus ardu avec l'apparition des connasses ninjas, là. Qui sont limite plus fortes que vous. C'est ça qui m'étonne. F5, F...
Oh là là, je sais pas si vous avez vu, mais l'écran il vibre. Il vibre quand tu fais une recherche rapide. Stratégie numéro 1. Courir. Stratégie numéro 2, tuer. Et la 3, réussir. Comment c'est en train de prendre cher? C'est bon? Trop easy. Trop easy, les gonzesses. Eh, ça porte un joli brassard, mais ça ne sait pas tirer, hein. Y a-t-il des trucs à ramasser? Parce que moi, je ne suis serein que lorsque j'ai des munitions. Je vous rappelle que le... Oh putain! Ok. Ok. Quelqu'un a lancé une flopée de grenades en plus. Je sais pas qui dit, mais j'ai l'impression qu'au haut de l'échelle, il y a quand même quelques vénères. Alors, je vais voir si ça... Ah non, vous le voyez pas. Sur le stream, vous le voyez pas, mais en fait, quand tu recharges une partie, t'as tout l'écran qui... T'as tout l'écran qui vibre, c'est une horreur. On va pas se laisser faire. Voilà. Problème réglé. Femme morte. C'est assez vénère comme... J'aime pas trop ça. Oh putain! C'est son cadavre qui vient d'exploser là ou c'est le mien? Ouais, mais je peux pas monter du coup. Attendez. Tu veux que j'envoie une grenade dans le trou? Il faut que j'envoie une grenade là-dedans. Mais je suis pas très bon à lancer une grenade. Hein. Comme vous pouvez le voir. Oh, je l'ai mis dedans. Je l'ai mis dedans. Eh, hey, en deux coups, hein. Franchement, je m'impressionne. Hein. Elle est morte? Alors, soit elle est morte, soit elle est partie. Je préférerais qu'elle soit décédée, à vrai dire. Putain, il y en a là-bas, je les vois. Petite roulade inutile, à part crever en face de moi, merci. J'adore quand tu fais ça. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on fera la semaine prochaine, mais j'avais idée, une petite idée qui m'a traversé l'esprit. Putain, elle est derrière la porte. Ça serait qu'on se refasse une quelques heures de The War Z. Parce que moi, j'y ai rejoué récemment et c'est un jeu que j'aime bien. J'aime beaucoup même. C'est un jeu que j'apprécie fortement. Donc je vais voir avec les gars si on peut pas sur ça la semaine prochaine. Je pourrais même le streamer, on va dire, pour une fois. Attendez. C'est bizarre parce que là, j'entends des talons. Maintenant, dès que j'entends des talons, je stresse maintenant. Ah oui, ça ne sert à rien d'aller là, en fait. Ça ne sert strictement à rien d'aller là. Après, c'est vrai que par rapport à Far Cry, les sauvegardes automatiques, ça arrange la vie. Enfin, les sauvegardes automatiques. Les sauvegardes rapides, plutôt, ça arrange la vie. Ça, c'est pute, quand même. Ça, c'est pute. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des sauvegardes rapides. C'est du die and retry. T'as besoin de savoir qu'elle est là parce qu'en 3 balles, elle va... Parce qu'en 3 balles, tu sais qu'elle va te foutre à l'envers. Bah, on y retourne. Hein. On y retourne. En plus, je glisse. Mon personnage, il glisse, en fait, dans l'escalier. J'ai 25 points de vie. Ah bah non. J'en ai 55. J'ai cru entendre des pas. J'ai cru entendre des pas, mais je ne sais pas où.
D'ailleurs, il est 17h40, il nous reste 20 minutes. Je pense qu'on a moyen d'avancer. Ok, tu peux ouvrir la porte, mais de l'autre côté. Je pense que votre mécanisme de sécurité, il a quelques failles. J'ai pas envie de vous dire lesquelles, mais parce que ça m'a arrangé. Mais ça, c'est de la merde. C'est, limite, je me demande, mais c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est pas possible, c'est un bug. C'est assez facile à niquer les gonzesses. Enfin, je veux dire dans le jeu. Et puis même ailleurs, mais... Hop! Bon, je fais le con parce que je pense que je vais prendre sauvegarde parce que... Ok. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Et on a fini Far Cry, les gars. C'est pas ce jeu qui va nous faire chier. Moi, je vous le dis tout de suite. J'ai pas pris de sauvegarde arrivé en bas. Mais si, j'ai pris une sauvegarde arrivé en bas. Espèce de con. Ouais, c'est par là. Allez, on va se les faire. On entend leurs talons. Je sais pas si c'est un détail qui a de l'importance, mais elles ont des talons et on entend leurs talons quand elles marchent. Enfin, quand elles courent. Non, 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 non. Ok. Problème numéro 1, survivre. Putain, elles font chier. En fait, elles attendent que je recharge pour me sauter dessus. Mais où est-ce qu'elles étaient gâchées? Parce qu'au départ, j'ai pu lancer. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, merci. C'est pas où? C'est par là. Elles ont. J'ai pu lancer une grenade, ça a touché personne. À croire qu'elles sont pas là. J'entends marcher. C'est stressant les bruits de talons. Même comme dans la vraie vie, putain, c'est la merde. Ah ouais, elle m'a rentré dans la gueule. Elle m'est rentrée dessus. Je me suis empalé dessus. Bon, on va y arriver. Il n'y a plus qu'une à tuer. Et en plus, les sauvegardes rapides, c'est vrai que ça simplifie énormément le bordel. Bon, j'espère qu'on a plus parce que moi j'ai 5 points de vie. Hein. Non, mais ramasse ça. Voilà, merci. Merci. J'ai 5 points de vie et je ramène. Voilà, merci le casque. Voilà. Est-ce que ça s'ouvre là-bas? On va aller voir. Non, ça ne sert à rien. Je sais pas à quoi elle ressemble leur église, mais quand même, elle est. Ah, oh, je vais encore donner des coups. Bon, il faut que je trouve de la TNT ou à chaque fois je dois faire ça? Parce que c'est quand même un pan de gameplay qui est pas super intéressant. Voilà. C'est vrai qu'on peut ouvrir les portes avec des coups de pied. Oh, bah c'est la fin. Tout va bien, moi je dis. Bon, encore des gens à tuer. Oh, c'est joli. Je sais pas du tout où je suis, mais je suis pas sur Terre, c'est pas possible. Ah, vous pouvez pas faire ça. Je sais pas de quoi il parle, mais. Bon, il a pas l'air travaillant le coco. Nous en tout cas, non, pas des catacombes. Pas des catacombes, j'ai assez donné. Oh bah si, en fait j'aime bien. En fait j'aime beaucoup les catacombes. J'ai assez donné avec les catacombes la semaine dernière. J'ai trouvé une nouvelle arme. Non, j'ai pas trouvé une nouvelle arme. J'ai trouvé des munitions. On va essayer de tout ramasser. J'aurais bien. Ah, j'ai pas de munitions de Thompson, ça m'énerve. C'est une arme que j'aime bien, alors s'il vous plaît des munitions. S'il vous plaît. Waouh. Ah ouais. Où est-ce qu'on est?
C'est un peu vénère quand même. Et regardez, il y a un détail là. Il y a une sorte de tour radio avec un point rouge. C'est très bizarre parce que je vois pas pourquoi ils auraient modélisé ça si ça avait pas d'intérêt. Regardez. Bon, c'est peut-être que c'est expliqué dans un document cinématique que j'ai skippé, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça sert à rien. Y'a personne d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres tours? Attendez. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Oh là 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 là. Oh là là, reste au sol toi. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il court, il court. C'est quoi ça? Oh putain, putain. Putain, mais c'est effrayant son pouvoir, ça te cache la vue, c'est... Tu t'attends à le retrouver devant ton nez. Pourquoi je suis mort? J'ai pas fait gaffe, ça m'a enlevé de la vie, les... C'est vrai que vous voyez plus la vie depuis que j'ai coupé la moitié de l'écran, mais... Bon, attendez. J'ai... C'est vrai. C'est vrai qu'on peut s'équiper. On va bien s'équiper. On va prendre tout ce qu'on peut. Voilà. On va faire un petit état des lieux. C'est vrai qu'on a ça, mais je peux pas viser, donc c'est de la merde. J'ai que l'arme pas terrible et une grenade. Ah, 4 grenades. Ouais, j'ai un peu triché. Hein. Putain, le con! Le zombie, il a retenu ma grenade! Oh ouais, putain, vous avez vu toute la vie, ça m'enlève! Ça m'enlève pratiquement toute ma vie! Non, c'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. À moins que là. À moins que là. Non, très mauvais plan. Très mauvais plan. Très mauvais plan. Ok. Il est résistant, le coco. Hein. Il est résistant. Il est quelle heure? Bon, on a encore 10 minutes pour le tuer. Faut qu'on trouve une stratégie. Les gars, on est face à... On est à nouveau face à la fameuse époque de Far Cry où on devait se planifier des stratégies qu'on ne respectait pas bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais m'équiper. On va aller prendre, on va aller faire une petite sauvegarde à l'étage pour éviter de faire des allers-retours de merde. Et je pense qu'il y a moyen de le mindfuck un petit peu avec les grenades au début. Voilà, on prend une sauvegarde. On va tuer le zombie qui fait chier là. Faut qu'on essaie de tuer les zombies en fait parce qu'ils vont vraiment nous emmerder.
C'est moi, il court de plus en plus vite, cet enfoiré. Oh là 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 là, je suis en stress. Il en reste plus beaucoup, il en reste beaucoup. Il est mort? Non mais casse-toi ça! Il est mort! C'est bon. C'est bon. Prendre sauvegarde. Prendre sauvegarde. Oh! Regardez! Oh la belle bleue! On va niquer le trash. Casse-toi squelette! Eh! C'est qui le boss? Bah c'était, de base c'était lui le boss, moi je... c'est tout? Il n'y a pas quelque chose à aller récupérer là? Et on, j'ai vu qu'il y avait le squelette de... bah c'est le fameux géant qu'on a vu tout à l'heure! Ah c'est vrai que je pouvais aller là? Oh! C'est tout? En fait j'aurais peut-être pu fuir dès le début. Hein. Oula. All things considered, the passenger is doing fine. Repeat. Passenger is doing fine. Mother hen out. Je suis en plein doute. J'ai l'impression qu'on aurait pu fuir dès le début en fait. Ce qui nous aurait permis d'éviter un combat fort dispendieux. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave. On a trouvé une stratégie pour l'avoir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors je m'en fous des signes. On n'a pas suivi le début, alors on va pas... je vais pas vous spoiler l'histoire quand même. Non, j'ai eu peur que ce soit la fin. Attends. Ah non, c'est la mission d'infiltration. C'est qui m'en parlait? Stalker, c'est toi qui me parlais de la mission d'infiltration? Non, j'aime pas m'infiltrer, heureusement qu'il est 18h. Ça a sacrément envie, on dirait du Eden and Dangerous 2. Je sais pas si ici il y en a qui ont joué à Eden and Dangerous 2. Ça commence à sacrément dater quand même. J'aime pas m'infiltrer. C'est nul de s'infiltrer. J'ai que ça. Ah bah oui, bah. Pff. En même temps, fallait me le dire si vous vouliez échouer la mission. J'aurais pu y aller à poil. Hein. Oh, 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 ça je l'ai deviné tout seul. Je peux redescendre par là? Voilà, infiltration finie, ils m'ont remarqué. On peut y aller avec ça maintenant. C'était très bien l'infiltration, j'aime beaucoup. Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est de l'eau ça? C'est de l'eau la marée là? Ah ouais. Je suis sûr que l'eau va me tuer, alors je fais gaffe. Oh attendez, il y a des trucs là. Je crois que c'est l'eau la plus moche que j'ai vue de ma vie. On aurait dit du pétrole. Oh, ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau, je sais pas si c'est fort mais c'est nouveau. On va essayer, tiens. Vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a personne qui suivra la suite directe de ce stream, mais je sais que ce soir, il y a Whisky qui fait quelque chose. Je sais plus quoi, mais je sais qu'il fait quelque chose. C'est vrai que quand tu vises la tête, elle est quand même sympathique, cette arme. Je crois qu'il m'a vu, le mec, là-bas. Ah, effectivement, il m'a vu le mec là-bas. Ah oh ! Sérieux ? Sérieux ? Faut pas que je me fasse... Je suis pas sûr qu'on le finira. Donc si l'alarme se déclenche, c'est fini.
dans un jeu qui n'a pas été prévu pour s'infiltrer. Je vous laisse. Je vous laisse imaginer la merde que ça va être. Ok, bah en fait il me voit en plus à 150 mètres. Mais comment je fais pour passer, moi? Non, dis-moi pas qu'il faudra que je passe avec un camion, que je me faufile à côté du camion. Ça va être une horreur. Bon, attendez, pour la peine. Pour la peine. Pas mal, hein. Elle fait du bruit, hein. Elle fait un beau bruit. Attendez, mais ça va être... ça va être titanesquement chiant, je l'ai inventé ce mot. Ah, bah je crois qu'ils m'ont vu. Donc, le mec, lui, le connard, là, dans sa tour, qui voit un mec... Il y a une stratégie que j'ai pas compris ou merde. Moi je penche pour merde. Mais ça va être intenable. Y a pas, je peux pas me déguiser en nazi là. Tiens, prends son déguisement. Parce que pour le coup, bon, je vais essayer de retuer le connard là. Parce que visiblement tu peux le faire une balle et après tu peux essayer de passer dans son cul, je sais pas. Par contre, faut le faire une balle. Il m'a pas vu. Mais maintenant, je fais quoi? Maintenant, je fais quoi? Une fois que je suis arrivé là, moi, j'aurais bien rentré. Vous croyez que je peux rentrer là-dedans? J'attends quelques secondes avant de faire ma sauvegarde parce que j'ai l'impression qu'il est très... casse-couille. En plus, il me donne plein d'armes, ces enfoirés. Attendez. Pourquoi j'ai pu... J'ai pris le costume des nazis, pourquoi j'ai plus accès à mon arme? Eh les connards! Tu me vois là? Ah, je crois qu'il me voit. Ok. J'ai fait tomber mon arme. Je suis quand même le seul abruti au monde qui fait tomber son arme. Je suis pas bien sûr de ce qui s'est passé. Ah bah oui, génial. Ah bah si, je l'ai encore. Qu'est-ce que tu me fais chier? Vous croyez que je peux la voir là-bas? Pute! Donc se faire tirer dessus pendant 30 secondes, ça va, il déclenche pas l'alarme. Mais voir un connard passer avec des bottes pas de la bonne couleur à 100 mètres, ça le dérange. Non mais... Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, il est 18h, je pense qu'on va refaire un dernier try, et après on va s'arrêter là. Ça aurait été très sympa. J'ai pas souvenir d'être allé aussi loin dans ce Wolfenstein Return Castle Mekouille. Vous croyez qu'il m'a vu? Il m'a pas vu? Il m'a pas vu? Oh bah ok, moi je l'accepte, hein. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, pas vu, pas pris, hein. On va prendre une sauvegarde, hein. C'est peut-être ça le chemin, c'est peut-être ça la strat. Oublier qu'ils sont cons. Ne pas oublier qu'ils sont cons. Ouais mais arrivé là... Moi je veux bien être gentil, mais comment je m'approche de lui? Il me voit pas à travers les feuilles d'arbre, c'est ça? Attendez, on va se mettre là.
On attend quelques secondes. Personne me voit, on sauvegarde. Peut-être que j'avais cassé son gigaphone à tirer dessus, hein. Attends, je vais te défoncer ta gueule. Attendez, on attend un petit peu, on sauvegarde. Est-ce que je peux enclencher l'alarme? Ah merde, j'ai enclenché l'alarme! Ça compte pas si c'est moi! Bon, pas grave. Je viens de me suicider totalement, là, je... De toute façon, on a une petite sauvegarde en haut de la tour. Ok. Juste faire un truc qui sert à rien, je vais faire ça. Pour leur dire que je suis là, voilà. Donc, on reprendra sûrement la semaine prochaine. On verra. On verra sur quoi. J'aimerais bien partir sur autre chose. Bah, on le continuera plus tard, mais d'ici là, j'aimerais bien partir sur un The Warzy, par exemple. Non, un The Warzy. Avec les gars, de toute façon on verra. Donc restez dans le coin, ce soir il y aura, comment il s'appelle, le monsieur Whisky qui reprendra vers les 20h. Donc là vous avez une petite pause pour faire votre lessive et aller manger un truc. Mais n'oubliez pas, ce soir il y a le magnifique Whisky qui sera là pour vous. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, probablement sur ce Wolfenstein ou alors sur autre chose. On va se décider dans les jours qui viennent. Bon allez, salut.